tous et bienvenue à la Pixel Family, ici Full Greg. Alors, je vous le cache pas, hein, j'ai beaucoup cherché et j'ai trouvé. C'était pas facile, mais le principal, c'est que j'ai trouvé. Alors, sans plus tarder, on y va. Voilà ce qu'il fallait faire. C'était tout bête, mais bon, il fallait le trouver. Allez, il fallait près du tas de feuilles, prendre le papier ici présent, le relevé bancaire, le mettre sur le papier, sur le tableau. Vous allez voir. Je pose le relevé bancaire sur les feuilles humides. Et voilà, il faut faire ça. Après, bien sûr, ça va nous servir à mettre de la fumée pour dire à l'autre de venir. Et pour ça, pour mettre de la fumée, on va prendre la statue de Testaliporoka, parce qu'on ne l'aime pas non plus. Et on va le frotter là-dessus. Voilà, et avec des éclats, comme vous pouvez voir, ça va prendre feu. Je place la statue sur la roue métallique et une gerbe d'étincelles tombe sur le tas de feuilles. Et voilà, vous avez vu, c'était simple, hein. Mais ils m'ont trouvé. Je comprenais pas, j'ai cherché, j'ai trouvé. Ah là 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 là, des fois, hein, il n'en faut plus pour être heureux. Mon fils, éteins ce feu immédiatement. Il y a une malade ici. Désolé, mon père, mais je devais attirer votre attention. Grande son échelle, hein. Qui es-tu et que me veux-tu? Je m'appelle Stobart, George Stobart. Je suis le père Hubert. Je suppose que tu ne parles pas le français. Mais c'est la langue que nous parlons depuis 5 minutes, mon père. Tant mieux. J'ai trouvé une jeune femme avec de la fièvre près de la rivière ce matin. La pauvre petite est au seuil de la mort. Et la seule chose que je puisse faire pour elle, c'est prier. Je crois qu'elle est française. Attendez, ce doit être Nico. Ah, il a retrouvé Nico, alors. Là, parle-lui. C'est le père Hubert. Le père Hubert. C'est ma petite amie qui est dans votre cabane. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a été mordue par un serpent de rivière. Mais vous pouvez faire quelque chose pour elle? Il doit bien y avoir une antidote. Je n'ai plus de pénicilline, ni de morphine depuis des années. Mais les gens d'ici vont parler d'une racine qui pourrait servir d'antidote au venin. Où puis-je trouver cette racine? Je n'en sais rien. Mais le chaman au village pourra peut-être te renseigner. Vous pouvez m'emmener au village? Moi? Oh, mais je ne peux pas. Pourquoi? La vie de Nico en dépend. Tu as raison. Bien sûr, il le faut. Malgré la honte qui m'écrase, mais je ne peux pas venir en émissaire de Dieu avec un col tout chiffonné. Un col tout chiffonné? Vous voulez dire que vous faites passer votre tenue avant la vie d'une femme? Je ne me rendrai pas dans ce village sans être sous mon meilleur jour. Donnez-moi votre col, je vais trouver un moyen de vous le repasser. Merci, mon fils. Pendant ce temps, je vais préparer mon serment. C'est le mec qu'on est tombé. Il y a certainement autre chose qu'un col chiffonné qui chiffonne le prêtre. Oui, je n'ai plus qu'à dire. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ici, en pleine jungle? Ce que Dieu m'ordonne. Je ne m'attendais pas vraiment à ça lorsque je suis entré dans les ordres. Mais enfin, tu sais ce qu'on dit. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Vous n'aviez pas prévu de rester ici? Non. J'étais parti pour les mines au nord. Je suis assez coincé ici après le naufrage de mon bateau sur la rivière. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Depuis combien de temps êtes-vous ici? 11 ans. Ah, vache, toi, je suis tombé. J'espère que ça va pas être comme ça pour nous aussi. Hein. Coupe Georges. Oui, alors on a le col. C'est le col du père Hubert. Il voulait que je le repasse. Bon, bah, je sais un peu ce qu'il faut faire. Hein. Il faut mettre ici. Là, voilà à quoi ça va nous servir. Et me voilà à des dizaines de kilomètres de la civilisation, en train de faire la ménagère pour un prêtre. Quel monde bizarre.
Et comme ça, ou quand on va le tourner, ça va faire. Bah, je veux dire, ça va le repasser. La façon de parler, quoi. Un repassage vite fait, quoi. Le pressoir marche très bien sur le col. Hop, on va le prendre. J'espère que j'ai plus le bon. Ah non, j'ai pas plus le bon. C'est pas grave, on va le garder de toute façon, ça nous sert à rien. On va le donner au prêtre. Toc, toc, toc. Allez hop, tiens, mon gars. Voici votre col, mon père. Mon père est en tombe. Je te jure, attends. Sorte de boss scout et on tombe. Merci, John. Tu crois sans doute que c'est étrange d'en faire toute une histoire? Oh non. Si j'avais dû passer ces 11 dernières années en pleine jungle, je serais complètement givré, moi aussi. Givré? Oui, je le suis peut-être. Depuis ma dernière visite dans ce village. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé au village? J'ai manqué à mes voeux. Je me suis laissé enivrer par la beauté de ce paradis. Et dans un moment de faiblesse, le venin du désir a pointé sa tête immonde. Vous savez, vous devriez écrire des romans d'amour. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir des expériences physiques au village? Oui. La honte me monte au fond. Je me suis surpris à pratiquer la danse du singe. Je ne savais pas qu'on appelait ça comme ça, et je ne souhaite pas en savoir plus sur le passé troublant du père Hubert. Maintenant que votre col est prêt, vous m'emmenez au village. Je n'ai pas terminé mon sermon. Écoutez, mon père, je ne sais pas pourquoi vous êtes aussi réticent pour aller au village, et ça ne me regarde pas, mais ce n'est pas plus important que de sauver la vie de Nico. Tu as raison. Je dois être en train de devenir fou. Nous devons faire vite si nous voulons arriver au village avant la nuit. Mais voilà, bon, on avance. Le soleil est en train de se coucher quand nous arrivons au village. Ça me fait plaisir quand on avance bien comme ça. Bonjour, mes enfants. Je suis heureux de voir que vous portez tout de même ces sous-vêtements. Jamais on nous a offert d'aussi beaux cadeaux de Noël, padre. Le mien est trop serré. À chacun sa croix, mon fils. Je vous présente George. Il a quelque chose à vous demander. Je ne vais pas pouvoir rester. Bonne chance, George. On peut bouger, non? Tant mieux. À l'aise avec lui. Et moi, je ne suis pas à l'aise avec ce slip qui me serre les... Bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ah, bah Nico, hein? Ma petite amie s'est fait morte par un serpent. Et alors? Dans ma famille, tout le monde s'est fait mordre par un serpent. Et moi, j'ai été mordu par un putois une fois. Elle est vraiment très mal. J'espère que votre sage a de quoi la soigner. Un sage? Vous devez vous tromper de village. Vous n'allez rien faire pour m'aider? Elle va mourir comme ça? Bien sûr qu'on va vous aider. Vous nous prenez pour qui? Des sauvages? Nous allons faire une fête pour la crémation du corps. Le père Hubert m'a dit qu'il y avait un sage dans le village et qu'il pourrait m'aider. Oh, il veut parler du vieil homme, le chaman. J'aimerais rencontrer le chaman. Vous ne pouvez pas arriver comme ça et exiger de voir le chaman. Ah non? Pourquoi? Il faut observer le protocole. Vous devez payer un tribut à notre chaman. Un tribut? Vous voulez dire un cadeau? C'est ça. Toujours la même question. Que doit-on offrir à un homme qui a déjà tout? C'est pas faux. Aidez-moi un peu. Votre chaman, qu'est-ce qu'il aime? Il a un passe-temps, un sport favori? Vous vous moquez de nous? Le chaman ne s'intéresse pas à ces choses triviales. Oh, je vois. Un livre, alors, ou un tamagoshi. J'ai horreur d'être obligé de faire un cadeau à quelqu'un que je n'ai pas. On a quoi? Une boîte de chien? Bon, ça, je pense pas. On donne le machin, là. Je sais plus c'est quoi, déjà, là. Les vers de terre. Rouge à lèvres, peut-être? Ou ça? Non, mais c'est quoi? Je pense pas, ça. Tiens, vas-y, on va donner ça. Tenez, il va adorer ces biscuits. Le biscuit au chien, peut-être, non? Ça va lui plaire? Je ne sais pas. Si vous le dites. On va les faire un par un, on verra. Hein. Sinon, on n'est pas trouvé. Maintenant, j'ai pas trop le choix.
Il est revenu, Dieu. Oh, bah, de pas dû être bien aimé. Il aime bien vos biscuits, surtout les noirs. Il voudrait savoir si vous en avez d'autres. Eh ben non. On peut rentrer ou pas? Les gardes font aussi peur que pour qu'on n'a pas de pantalon. Ok. Bon bah non, alors il faut trouver quelque chose. Je suis venu ici à cause de cette pierre. C'est la pierre d'un esprit. Oh, j'y toucherai pas à votre place. C'est vrai. Elle pourrait être maudite. Ah bon? Écoutez, je sais que ce n'est pas grand-chose, mais j'aimerais que le chaman accepte ceci. Vous croyez qu'il va manger un truc pareil? C'est un vieillard. Il pourrait s'étouffer, vous savez. Ouais. Vous pensez que votre sage est lèvre? Oh non, pas de cette couleur. Vous n'en auriez pas du noir? Bien sûr que non. Ce cône peut avoir plus de 1000 usages. Ah oui? Donnez-moi un exemple. Un casque de moto. Je pense pas, non. Un casque de moto. Faut vraiment une petite tête, alors. Ça ne sert à rien de renvoyer la boîte vide au chaman. Ah oui. Ah, faut faire quelque chose, alors. Ça, je pense qu'ils sont fous. Mais tu mets tes épaules là-dedans. Je mets la statue dans la boîte vide. De nuit pour moi. Tenez, j'ai trouvé d'autres biscuits pour votre chaman. Je vais les lui donner. De rien. Oh, vas-y. Mais pas faire la hyper. T'as les brocards là. Quoique c'est un truc méchant, il va peut-être pas aimer. Le chaman m'a demandé de vous rendre cette statue. Il n'en veut pas? Il en a déjà une. Ah mince. On va trouver autre chose. On va mettre ça. Je mets la pierre Maya dans la vide. Ah, ça a changé. Okay. Tenez, j'ai trouvé d'autres biscuits pour votre chaman. Je vais les lui donner. Je vais les lui donner. T'entends, mais dépêche-toi. Hein. Il est quand même baraqué, quand même. On peut dire. Oh, il l'a gardé. Le chaman veut vous parler. Enfin. Bon, c'était un plaisir de discuter avec vous, les gars. Bon, bah voilà, bah, c'est cool, ça. Avance, bah, on fait comment pour y aller? Comme ça? D'accord, ok. Faut y aller manuellement. C'est quoi ça? Cette femme est en train de moudre du maïs dans un bol. Quelle femme? Ça avance un peu? Ah d'accord, alors il y a une dame là. Ce n'est pas cette femme que je suis venu voir. Cet homme tisse une étoffe. Ce n'est pas cet homme que je cherche. Ok, bon. Le vieil homme est sûrement le chaman du village. Au revoir, monsieur. Bonjour, je m'appelle George Stobart. Assieds-toi. Sois le bienvenu, George. Merci. Il était écrit qu'un homme en apporterait un jour la pierre du coyote au village. Ce truc ne vous servira à rien, n'est-ce pas? Oh, mais bien sûr que si. Cette merveille va changer notre façon de vivre. Ah bon? Qu'est-ce que vous allez en faire? Nous allons pouvoir nous peindre le corps pour la fête du singe dansant. Pourquoi le père Hubert ne veut-il plus venir au village? Je ne sais pas. Avant, il venait souvent, mais un jour, il n'est plus venu. Pourtant, on aurait pu croire qu'il viendrait voir ses enfants. Quoi? Le père Hubert a des enfants? 3 filles et 5 garçons, si mes comptes sont bons. Ils ont tous été conçus dans la même semaine pendant la fête du singe dansant.
Mon ami s'est fait mordre par un serpent. Et tu veux que je la soigne? Oui. Vous pouvez le faire? Je n'en suis pas certain. Mes gencives sont plus ce qu'elles étaient. Écoutez, mon ami est dans le coma. Je vous en prie, donnez-moi la racine. Quelle racine? Le père Hubert m'a dit qu'une racine pouvait soigner la morsure d'un serpent. Il n'y a donc rien de sacré pour les gens de son espèce. C'est notre secret. Seuls les membres de la tribu naissent son pouvoir. Si cette racine est ma seule chance de sauver Nico, j'en veux. Et très vite. Tu as encore du temps, George Stobart. Le temps de savoir pourquoi tu as été appelé ici. Bon, ok. J'écoute votre histoire si vous me donnez la racine, d'accord? L'anguille se déplace vite, mais revient toujours sur son lieu de naissance. Écoutez, je suis assez pressé, on ne pourrait pas sauter le passage avec les énigmes. Il y a bien longtemps, alors que le monde n'était qu'un enfant, le roi dieu Quetzalcoatl fut vaincu. Son ennemi, Tezcalipoca, prit sa place. Et en tant que chef suprême, il organisa d'horribles sacrifices. Quelques prêtres, fidèles à Quetzalcoatl, parvinrent à tendre un piège à Tezcalipoca. Mais ces hommes savaient que l'immense puissance du dieu impie lui permettrait un jour de retrouver sa liberté. Son emprisonnement se terminerait lorsqu'une éclipse solaire marquerait la fin du cinquième âge. C'est pourquoi les prêtres ont créé trois obsidiennes capables de sceller le miroir jusqu'à la fin des temps. Mais les fidèles n'ont jamais pu placer les pierres magiques, car les Espagnols les avaient prises en envahissant nos terres. Comment ont-ils réussi à emprisonner Tesla, le dieu maléfique? Les prêtres ont construit une pyramide. Ils ont annoncé à Tezcalipoca que ce temple avait été érigé en son honneur. Au centre, ils avaient placé un immense miroir d'obsidienne polie. Grâce à des mensonges et des flatteries, ils ont réussi à attirer le démon au centre de la pyramide. Et là, avec leur sorcellerie, ils l'ont enfermé dans le miroir. Bon, en imaginant que je puisse croire un seul instant que cette histoire n'est pas le délire éthylique d'un vieil alcoolique au bord de la folie, dans ce cas peu probable, que se passerait-il? Dans ce cas, le destin de l'humanité reposerait sur tes épaules. Est-ce que je peux avoir quelque chose pour combattre Godzilla, Tezcalipoca? Quelque chose? Je ne sais pas, moi. Une arme magique? Allons, un peu de sérieux, George. Qu'est-il arrivé aux pierres? Les Espagnols les ont emportées vers la côte, dans la ville qui est aujourd'hui Guanamante City. Une seule pierre a pu atteindre l'Espagne. Les deux autres sont tombées aux mains des flibustiers. La pierre du jaguar a été volée par un capitaine anglais, El Draco. La pierre de l'aigle a été volée par un pirate du nom de Ketch. La troisième et dernière pierre, celle du coyote, est arrivée en Espagne sans encombre. C'est la pierre qui est en ta possession. Parlez-moi encore de la pierre de l'aigle. La pierre fut entreposée sur un galion qui emportait tous les biens volés par les Espagnols. Mais peu après avoir quitté le port, le navire fut endommagé par une violente tempête. Le lendemain, affaibli par cet orage, l'équipage ne put résister à l'attaque du terrible capitaine Ketch. Le pirate sanguinaire massacra tous les matelots. Il s'empara de la cargaison et coula le navire. Où est la pierre de l'aigle aujourd'hui? Ça, personne ne le sait. Ketch a rapidement abandonné la piraterie pour se retirer sur une île des Caraïbes. Parlez-moi de la pierre du jaguar. Il y a plusieurs siècles, un navire espagnol a fait irruption dans le port de Guanamante. Son capitaine, le célèbre El Draco,
a envoyé ses hommes à terre. Quand les matelots ont jeté le chef du village au cachot, mes ancêtres ont compris qu'ils n'étaient pas des marins espagnols, mais des corsaires anglais. Le chef a été retenu en otage et les flibustiers ont pillé la ville. La pierre du jaguar faisait partie de leur butin. Et où est la pierre du jaguar aujourd'hui? Je suppose qu'El Draco l'a rapportée dans son pays de l'autre côté de l'océan. En Angleterre? Que devrais-je faire quand j'aurai toutes les pierres? Apporte-les-moi et je te préparerai. Les pierres doivent être apportées au cœur de la pyramide. C'est là qu'elles serviront à sceller le portail qui pourrait mener Tezcatlipoca vers notre monde. Pouvez-vous m'indiquer le chemin de la pyramide de Tezcatlipoca? Pas avant que tu ne possèdes les trois pierres. Il va bientôt y avoir une éclipse solaire, n'est-ce pas? C'est exact. Une éclipse qui marquera la fin du cinquième âge. Elle aura lieu avant la prochaine pleine lune. C'est-à-dire dans moins de 2 semaines. Je ne crois pas vraiment au retour de Tezcatlipoca, mais je suis sûr que les plans de Karzak ont quelque chose à voir avec cette légende. Je peux avoir ma racine maintenant? Tiens, la voilà. Hâte-toi si tu veux sauver la vie de la jeune fille. Les oiseaux m'annoncent que la mort arrive. Vous commencez à parler par énigmes. Ça vous poserait un problème si vous restez là ce soir. De nuit, je serai incapable de retrouver mon chemin dans la jungle. Tu es ici chez toi, mais je doute que tu puisses fermer l'œil. Ce soir, c'est la nuit du singe dansant. Je quitte le village à l'aube et je me retrouve dans la jungle. L'esprit encore embrumé par la fête d'hier. Ça me rappelle le retour à la maison familiale quand j'étais adolescent. Sauf qu'à Auckland, on n'avait pas de singe ou de perroquet. On va monter là-haut. Non. Je mets le bouton. Je rêvais d'avoir une... Je sais. Monte là-haut. Je vais tomber le bouton. Comme ça à l'intérieur, alors. Je me demande comment le père Hubert fait pour fabriquer ses cierges. Je n'ai pas besoin des cierges du père Hubert. Nico supporte très mal la morsure du serpent. Nico, je t'ai apporté cette racine. Elle n'est pas en état de mâcher cette racine. Je dois lui faire prendre l'antidote sous une forme plus facile à avaler. Ok. Non, pas qu'on la... Pas qu'on la mincite. Au pire, tu la mets dans ta bouche, tu la manges aussi. Hein. Et tu lui donnes par la bouche. Tu la mets dans ta bouche, tu la manges, et après tu lui mets dans la bouche. C'est cracra, mais c'est pas mal. C'est une cruche d'eau. Une cruche d'eau. Prends la cruche d'eau. Je n'ai quand même pas volé un prêtre. Oh, oui. Le père Hubert, un homme de devoir. Bonjour, mon père. Le chaman trouve que vous pourriez rendre visite à vos enfants. Alors, il t'a tout raconté. Écoutez, Hubert, avoir une famille nombreuse, honteux. Mais si j'étais à votre place, je me sentirais coupable de ne pas être auprès d'eux. C'est cette maudite danse du singe qui m'a fourvoyé. Bien sûr. Un spectacle pareil, ça doit être difficile à oublier. J'ai la racine, Hubert. Alors, qu'est-ce que tu attends? Donne-la à la petite. J'ai essayé, mais elle n'en veut pas. George, tu es un imbécile. Tu dois empresser la sève pour qu'elle puisse la boire. D'accord. Ah bah oui, bah d'accord, ok. Descends. Oui, je crois savoir. Je pense qu'on va faire la même chose. Tu descends ou pas? On va faire la même chose qu'on a fait pour le col. De toute façon, on n'a pas le choix, il n'y a plus que ça. On va la mettre là-dessus. Et. Tac. Tac. Tac.
Et ah oui, t'es à ça aussi. Je pense. Parce que sinon, ça va aller pas tel. Le cône va me servir de récipient. Comme je disais tout à l'heure, ça me devait être récipient. Je pense que c'est ça. On va pouvoir extraire de la plante. Écraser la cône se remplit progressivement du jus de la racine. Voilà, c'est good chum ça. Allez, prends. Prends le popo. Pas genre, on dirait un petit grand-père. Je te jure. C'est un petit grand-père qui a du mal à marcher. Regardez, Hubert, l'antidote. Alors, qu'est-ce que tu attends? Donne-le à la petite, vite. Allez, bois, Nico. Nico. Tiens, bois ça. Tu veux pas être bon. Oh, Georges, c'est horrible. Avale ça doucement. Hop, dans sa poche. Essaie de te reposer maintenant, ma chérie. Tu vas avoir besoin de tes forces pour récupérer les deux autres pierres. Les deux autres pierres? Quelles autres pierres? Quel désordre vais-je encore devoir affronter à cause de toi? La patiente française semble être redevenue elle-même. La fièvre de Nico disparut rapidement. Pour gagner du temps et trouver les pierres plus rapidement, nous décidâmes de nous séparer. A priori, Ketch le pirate avait fini sa vie sur une petite île des Caraïbes. Il avait pris sa retraite de pirate fortuné dans un endroit qui porte aujourd'hui le nom de Domaine Ketch. Ah, ben nous voilà, à Domaine Ketch. Une petite île paradisiaque, comme il a dit. C'est quoi ça? On dirait des plans. J'ai des plans. On dirait des plans. Oui, j'ai compris. Ce type semble passionné par son théodo. Ou alors il fait juste semblant de travailler. On va voir les plans. Hein. Peut-être ça peut nous aider, non? Une pulsion incontrôlée me pousse à inspecter ces plans. C'est marrant comme les gens ont tendance à utiliser cette expression avec moi. Que ce soit à Paris, en Syrie, en Irlande ou en Espagne, c'est toujours pareil. Mais qu'est-ce que vous fabriquez à la fin? J'essayais de vous montrer ma fascination pour votre projet. Parle-lui, là. Excité comme une puce. Salut, je suis au domaine Ketch. C'est exact. Je m'appelle George Stobart. Vous êtes géomètre, monsieur... Branson, bien sûr que je suis géomètre. Sinon, pourquoi ai-je un théodule? Je ne sais pas, ça pourrait être votre passe-temps. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous amène dans le coin? Je recherche un vestige maya. De quel type? Une pierre précieuse? Il s'agit d'une obsidienne, une pierre noire qui possède des pouvoirs mystiques. Vous êtes cinglé. Regardez, c'est un article sur l'éclipse totale du soleil. Pas possible. Écoutez, je ne voudrais pas être impoli, mais je ne vais pas pouvoir m'en empêcher plus longtemps. Je m'en fous complètement. Ceci ressemble à la pierre que je cherche. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous la trouverez ici? Parce que quand elles ont été volées au XVIIe siècle... Attendez. Ces pierres auraient disparu depuis plus de 300 ans? À peu près. Et vous croyez que vous allez les retrouver? Vous êtes débiles. Et pourquoi ici? Un vieux sage indien m'a dit qu'il avait une vision et... De mieux en mieux. Bon, écoutez, j'ai du travail. À plus tard, Bronson. Ok. Je connais cet instrument. C'est un théodolite. C'est absolument pas m'en servir. On va voir quand même, on sait jamais. Si on se fait pas engueuler par l'autre. Hein. Mais quand c'est quelque part, il y va, lui. Il y a un truc qui... Ok. On regarde alors. Il te barre pas. Et c'est possible. Oh, ok. Bon, on peut rien faire d'autre.
juste regarder. Alors, on va voir par là-bas ce qui se passe avec le piège pêche. Là. Allez. Je n'ai pas besoin d'un filet de pêcheur. D'accord. Quelqu'un a laissé un filet séché au soleil. Non. On va aller voir par là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Avant de monter là-haut. Si on peut, bien sûr. Ah, et quelqu'un. Alors, petit homme. Ce gosse doit avoir une douzaine d'années. Il pêche avec la concentration d'une personne qui a tout le temps. On va y parler, vas-y. Tu veux acheter du poisson? Je n'aime pas ça. Comment tu t'appelles? Rio. Ça veut dire rivière. Et toi? George. Ça veut dire... C'est juste un nom. Tu es au courant de l'éclipse qui doit avoir lieu? Non. Mais ça explique pourquoi le temps se... Rio, il fait très beau. Il n'y a pas l'ombre d'un nuage dans le ciel. Crois-moi. Ça va vraiment tourner à la tempête. Tu sais quelque chose au sujet d'un trésor de pirates? Ça, mon pote, ce sont des salades. Ça n'existe pas, les trésors des pirates. Tu n'as pas école aujourd'hui? Non, monsieur. Et ton éducation? Je sais pêcher, naviguer et nager. Je m'occupe tout seul de moi depuis l'âge de 6 ans et je suis bilingue. Tu n'es pas un peu trop qualifié pour un garçon de plage? La concurrence est plutôt rude. C'est vrai que le capitaine Ketch vivait dans le coin? C'est vrai. La maison sur la colline, c'est chez lui. C'est un musée maintenant. Ah oui? C'est exactement ce dont j'ai besoin. Merci, petit. Tu n'entreras pas, mon pote. Les vieilles ont fermé le musée. Qui sont ces vieilles dames dont tu parles? Mademoiselle Frost et Mina Ketch. Et pourquoi les mémés ont-elles fermé le musée? C'est Bronson qui est derrière tout ça. Il a un plan pour relancer le musée. Mais elles vont le regretter. Ce type est un escroc. Qu'est-ce que tu sais au sujet du capitaine Ketch? La même chose que tout le monde. C'était un pirate. Et il a été pendu. Tu m'aideras à voir ses plans? Je ne vais certainement pas m'approcher de ce type. Il a juré de me noyer quand il a trouvé le poisson que j'avais mis dans son sac de couchage. Petit malin celui-là. Bon, on va monter là-haut. On va aller voir ce qui se passe dans l'espace là-haut. Allez, monte. Et comment? Comme ça? Attends, on va parler avant. En gros, s'il peut nous dire une chose sur le gamin. Le mec il prend trop son temps, laisse tomber toi. Ah bah tiens. Qu'est-ce qu'on fabriquait avec le théodolite? Je mesure cette vieille bâtisse pour réaliser un plan. J'ai une idée en tête. Ah oui? Oui. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Le paradis. Et moi je vois une occasion en or. Cet endroit doit être exploité. Moi je l'aime bien tel qu'il est. Et c'est ce en quoi nous divergeons. Voyez-vous, monsieur Stobart, je suis ce qu'on appelle un visionnaire. Je vois l'avenir resplendissant du domaine Ketch, et il commence ici, avec cette maison. Dites, ce gosse ne vous a pas fait d'ennui? Le petit pêcheur, il est la politesse même. Ah, c'est un véritable hooligan en culotte courte. Je suis sûr qu'il vous a dit que j'étais un escroc. Ah oui, je crois qu'il m'a dit quelque chose à ce sujet. Un de ces jours... Ce gosse va avoir un accident de bateau. Et je serai le dernier à regretter sa disparition. Comment fait-on les plans d'une maison comme celle-là? J'ai placé une cible, un réflecteur si vous préférez, sur un des mâts, là-haut. À partir de plusieurs endroits, je vise le réflecteur avec mon théodolite pour mesurer les angles horizontaux et verticaux grâce à sa position. Vous saisissez? Pourquoi mettre la cible en haut d'un mât? Il n'aurait pas été plus simple de la mettre à l'angle d'un mur. Vous êtes géomètre? Non, je suis diplômé en droit. Alors ferme-la. Parlez-moi des deux vieilles dames. Qui ça? Les sœurs Ketch. La première est complètement folle. Et l'autre vous transformera en statue de pierre si vous ne prenez pas garde. Je peux jeter un coup d'œil à vos plans? Pas question. Je ne vois pas en quoi ça vous intéresserait de toute façon. J'ai toujours rêvé secrètement de devenir géomètre. C'est vrai? Bien sûr. Vous, les géomètres, vous êtes les grands explorateurs de notre siècle, vous ne trouvez pas? Vasco de la rue Gama, Christopher Columbus.
La veuve Clicquot, c'est vrai que vous ne découvrez plus d'océans inconnus ou de nouveaux continents, mais pour moi, vous êtes les meilleurs. N'importe quoi. Je vous interdis d'approcher de ces plans. C'est clair? À plus tard, Bronson. Ok, bon, bah, elle peut rien demander. On va monter là-haut. Je sais pas si j'ai bien fait de dire oui, on va peut-être dû dire non, parce que... On dirait qu'il va vouloir le tuer, mais... Le tordu, là. On verra ça. Bon. Bon, bah voilà. Malheureusement, on va devoir se quitter devant cette maison et puis ces deux vieilles dames et le petit chat quand je jouais avec une pelote, là. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu. Je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous et bye bye.